Attends. Mes étoiles. Bonjour, mes étoiles. Bonjour, bonjour. Bonjour, mes étoiles. Venez. Venez, venez, venez. Quand vous serez là, on va commencer le direct. Oui. Nous avons une nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle des plus cruciales. Nous attendons que vous soyez en grand nombre. Vous savez, à chaque fois que j'ai des choses qui se passent, je vous explique. Les jaloux disent, elle aime se faire voir. Les jaloux, mais je vous dis toujours, c'est ça l'influence. Influencer positivement et pouvoir donner des conseils à travers nos expériences. Normalement, les hommes publics que nous sommes, nous devons partager nos expériences de vie avec vous pour que cela puisse vous aider, pour que cela puisse vous pousser, pour que cela puisse vous donner de quoi, de la matière à réfléchir pour ne pas que vous puissiez tomber dans les mêmes erreurs que nous. Ce jeune que vous voici, ce jeune que voici, donne-moi ton nom là. Assois Jean-François Etienne. Assois Jean-François Etienne. Tu es quel Etienne? Agni. Il est Agni de d'où ça? Bongouanou. Bongouanou. Le jeune que vous voyez là, qui est Agni de Bongouanou, je salue tous les Agni de Bongouanou. Tous les Agni de Bongouanou, je vous salue. Voici un de vos jeunes frères qui a une histoire à vous raconter. Quand je finis, quand il finit, je vais venir parler. Allons-y, mon frère. D'abord, même, je salue tout le monde. Attends, est-ce que vous avez le son? Merci de nous signifier si vous avez le son. Vas-y. D'abord, même, je viens, je vous salue tous. Il y a quelqu'un qui dit, pourquoi tu pleures? Il faut essuyer tes larmes. Tu pleures? Non, non. Hein? Non. Ah, mais pourquoi on dit, pourquoi tu pleures? Non. D'accord, va. Tes yeux sont rouges de nature. D'accord, va. Et samedi dernier, j'étais au mariage de maman Yves Dero. Voilà, on s'est chargé de la déco et on a fini, voilà, la fête était belle. Et en voulant ton filmer rôle, la c'est déco... Quoi? Non, 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 faut dire la vérité. Oui, oui. J'ai fait le service la soirée et puis on a décoré un peu. Et j'ai eu à faire une vidéo. Une vidéo délibérément. Et bon, j'avais l'image de son mari à l'intérieur que j'ai eu à faire. J'ai fait des captures, voilà. J'ai voulu essayer de causer avec des amis dans un groupe et puis c'est parti. Il faut expliquer. Il faut reprendre la partie là. Ce que tu nous as dit. Oui, la vidéo. Je fais une vidéo de son, de la vidéo de la déco et puis il y avait son mari à l'intérieur. Voilà. Et j'ai dû couper la partie là. Son mari était. Et puis voilà, j'ai un groupe d'amis avec qui je cause. On a essayé de. J'ai envoyé la photo. Et c'est là qu'il y a eu fuite. Et j'ai pratiquement demandé de supprimer la vidéo, de ne pas partager la vidéo. Voilà. Et c'est ça qu'on a retrouvé. Voilà, c'est ça qu'on a retrouvé là. Et actuellement, je suis chez maman Yves Dero comme ça. Pourquoi tu as fait ça? C'était juste, c'est pas. Je voulais pas faire ça méchamment, au fait. J'étais en train de prendre une vidéo, faire une vidéo, voilà, et puis il y a une image dedans que j'ai gardée. Mais pourquoi tu as fait capture d'écran de l'image là pour envoyer ça à tes amis? Bon, je voulais juste causer de ça à mes amis. Pour leur dire quoi? Que j'ai marié blanc? Non, que j'étais à la cérémonie, voilà. Histoire. Mais tu voulais les informer que, voilà, avec tout son gros ventre, ses muscles, son front, non, elle a marié blanc, c'est ça? Ou bien blanc l'a marié, c'est ça? Non, pas méchamment. Non, pas méchamment. Je sais que moi-même, je sais que j'ai un gros ventre. Je sais que j'ai un front. Je sais que j'ai des mollets. Mais c'est le côté de blanc, tu voulais dire. C'est, oui. Tu veux dire que c'est ça? Oui. Malgré comment elle est là,
Un blanc qui n'a rien à faire, aller la marier, c'est ça. Non, honnêtement, de oui, toi oui, à moi. Oui. C'est ce que tu voulais dire. D'accord. Mais maman, le blanc, il est mignon. Non, je sais qu'il est mignon, sinon il ne va pas me marier. Moi, je ne suis pas jolie, mais j'aime les bonnes choses, mon fils. Je ne suis pas belle, mais j'aime tout ce qui est beau. On me connaît pour ça. Je ne suis pas... J'aime aussi l'argent. Donc, qui on me voit quelque part, c'est parce que c'est bon que je suis là-bas. Mais aujourd'hui, tu as été démantelé. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que c'est quelqu'un d'autre qui va t'envoyer en prison. On est d'accord? Puisqu'il y avait une affiche ici pour dire ne pas filmer parce qu'il y a des personnalités publiques. Mais aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as à dire pour ne pas que on t'envoie derrière les barreaux? Quel conseil peux-tu donner à la jeunesse qui vient se chercher et qui filme malgré les instructions données? D'abord même, j'aimerais souligner quelque chose, le secret professionnel. Ah. Je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui que je regrette énormément. Voilà. S'il vous plaît, si vous faites une activité et qu'on vous contacte, que vous partez chez des personnes qui sont connues, s'il vous plaît, évitez les même photos. Non connues. Non connues, évitez les respectez photos. Respectez leur intimité. Vous pouvez juste prendre les photos de ce que vous avez fait. Même pas. Même la photo du chien, ne prenez pas. Vous pouvez juste faire donc des photos. Donc tu as filmé mes voilà. Chiens? Non. Ah, d'accord. Vous pouvez juste faire des photos et voilà. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc là, le respect de l'intimité. Oui, de l'intimité surtout. Du travail. Du travail, je souligne ça. Voilà. Et vraiment, je demande pardon à maman Yvidéo. Non, tu sais chérie, je te dis. Il y a des erreurs qui arrivent dans la vie d'un homme. C'est ça qui est là. On vous a fait croire que je suis le diable en personne. Et elle n'est pas méchante. Ça, on ne t'a pas encore demandé. Parce que peut-être tu as peur d'aller au Louvre. C'est pour ça que tu dis ça. Tu es venu te chercher. C'est une femme qui t'a mis sur le combo. Tu as filmé à son insu. Moi, pour moi, là, je m'en fous. Parce que je suis déjà mariée. Mais si vous partez quelque part d'autre, chez des autorités, et que tu filmais pour diffuser, est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que ça peut aider ta patronne? Non. Parce que ça peut dire que ta patronne n'a pas des personnes de confiance à côté d'elle. Vous êtes jeune. Vous êtes en train de vous chercher. Tu mets ça dans toi-même ton attiqué. Tu mets ça dans l'attiqué de ta patronne. Quand je parle, les gens vont dire non, pourquoi tu le mets devant la caméra? C'est lui-même qui a dit qu'il veut faire la vidéo. Je vois. Oui, c'est ça, c'est moi-même. Et tu as mis dans un groupe, non? Ah oui. Ça s'appelle comment? Les physionomistes. Il y a qui et puis qui dedans? Sur WhatsApp, j'ai 6 à 5 amis. Ce sont tes complices de crime? Oui, et je ne suis même pas du tout content d'eux. Voilà. Ça, je n'ai pas le menti. Ils s'appellent comment? Bon, comme ils ne se sont pas identifiés, ce sont des stodos qu'ils ont donnés. Nous niveau. Avons leur nom parce que nous avons un logiciel pour détecter les noms, trucs. Et nous citerons leur nom. Et je ne suis pas content du tout. Un guéret, vous faites à 7. Eux, ils font sortir le guéret. Voilà. Vous voyez ce genre d'amitié? Dans cette vidéo, il y a plusieurs conseils. Vous ne vous entourez pas de bonnes personnes. Des amis à qui on fait un guéret et qui... C'était un truc caché. Ils passent derrière toi, ils divulguent l'information. Est-ce que ça, c'est bon? Non. Ce ne sont pas de bons amis. Et je vous dis toujours, l'entourage. L'entourage néfaste nuit à l'élévation. Un mauvais entourage nuit à l'élévation. De mauvais amis peuvent vous emmener à la perte. Voilà un exemple palpable. Un ami à qui tu envoies un béret, qui ne le garde pas pour lui, et qui le divulgue, veut ta perte. Aujourd'hui, il a été pris la main dans le sac. L'envoyer au Nouf, parce qu'un ami n'a pas gardé sa langue dans sa poche. N'a pas gardé son information pour lui. Imaginez si c'était quelqu'un d'autre. Automatiquement, il avait les menottes au poignet.
C'est un jeune, un enfant. Peut-être qu'il n'a pas voulu le faire, même méchamment. Montrer que je suis chez maman, il vit. Il a peut-être voulu aussi le faire méchamment. Parce qu'il a envoyé ça à plusieurs personnes. Il n'a pas envoyé seulement dans son groupe. Il l'a envoyé aussi à Mme Komoué. Il l'a envoyé à sa cousine, à son cousin, à son oncle, à beaucoup de personnes. Moi, je n'ai pas voulu montrer l'identité parce que les gens sont de plus en plus méchants. C'est le monsieur qui a voulu me marier. Vous allez venir. Moi, je connais les Ivoiriens. C'est un blanc. Lui, il n'est pas dans les trucs comme ça. Vous allez prendre le monsieur là, le malmener pour me donner. C'est à cause de tout ça là. J'ai dit, je ne veux pas. Laissez-moi vivre ma vie seule. J'ai lutté pour avoir blanc. Vous voyez ma force. Regardez-moi. Dans tout ça là, j'ai eu blanc. Vous allez décourager le monsieur. Il va me laisser. C'est pour ça que je le cache. Sinon, blanc, il n'y a pas son vilain. Blanc, c'est blanc. Mais ce jeune que vous voyez là a fait une erreur. Et il donne un conseil. Faites attention aux actes que vous posez. Ça peut vous nuire. Ça peut vous nuire, à votre carrière. Les gens deviennent de plus en plus méchants. Quand je vous parle, vous pensez que c'est pro dada, je veux faire. Je vous montre ce que je vis au quotidien pour que ça puisse vous servir. Souvent, vous voyez des personnalités, des vidéos d'elles se retrouvent sur les réseaux. Les personnalités ont le droit de s'amuser. Le président, la première dame, le ministre, le député, les hommes d'État même ont le droit de s'amuser. Ce sont des êtres humains comme nous. Mais quand vous les embauchez, les prestataires qui viennent, s'ils n'ont pas le self-control ou bien ils n'ont pas la discrétion, votre affaire va se retrouver. Et aujourd'hui, les gens sont méchants facilement. C'est pour partir insulter les gens, papa des gens, maman des gens. Vous voyez? Vous voyez? C'est ce genre de conseil-là que moi je vous donne. Pour vous dire, faisons attention. Faisons attention. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, il y a plusieurs stars. Aujourd'hui, les stars ont des fans tellement bêtes que c'est plus Starmania maintenant, c'est devenu clash. Donc, ton plombier même qui va venir arranger ton WC, peut-être qu'il est Emma Love. L'électricien est Ekalanda. Ta servante est Ividero. Et ainsi de suite. Tu es assis dans ton salon, tu es en train de critiquer. Et lui l'a dit en bon, c'est moi ma star, tu es en train de critiquer comme ça. D'accord. Dans une mauvaise posture, ils vont te filmer. C'est au dehors. Un politicien, un FPI va venir chez lui pour faire un travail. Il va filmer. Un ado, on va filmer. Et puis ensemble, on ne sait plus avec qui on marche, avec qui on parle, avec qui on mange. Ce n'est qu'un simple film qu'il a fait. Mais si c'était du poison, avec tous les invités de marque qu'il y avait à ce mariage, il faut le noter. Ce n'était pas à faire, j'avais eu comme ça. En plus, il était venu pour la déco. Mais comme il était serviable, il a été gardé en tant que serveur. Ce qui veut dire qu'il avait la possibilité de verser du poison dans la boisson. Non, tu ne l'as pas fait, bébé. Mais tu aurais pu. Pour 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, il y a des gens qui ont posé des actes. Et on a perdu des gens pour ça. Je loue ta bravoure de vouloir faire cette vidéo. Et je te dis, devant le monde entier, je n'ai rien contre toi. Parce que moi, là, Dieu m'a déjà béni. Dieu m'a déjà béni, Dieu m'a établi.
je n'ai pas besoin de faire du mal à mon prochain. Je vais t'envoyer au Nouf. Qu'est-ce que ça va me donner? En réalité, qu'est-ce que ça va me donner? Ta maman va pleurer. Mais il faudrait que, à travers cette histoire, vous puissiez savoir que on ne joue pas avec ce qui nous donne à manger. On ne joue pas avec ce qui nous donne à manger. Et quand des personnes vous font confiance pour vous embaucher, retournez-leur cette confiance. Moi, je ne suis pas fâchée avec toi. Je ne suis pas fâchée avec toi. Bien au contraire même. Je loue ta bravoure. Je t'ai effrayé un peu. Tu as eu un peu peur. Mais je ne suis pas méchante. Je ne suis pas fâchée avec toi. Demain même là, quand elle va venir faire, tu vas venir encore travailler. Parce que tu deviens quelqu'un de confiance. C'est lui-même qui m'a sécurisé les autres. Tu comprends, non? Et en plus, tu es un ami de Bongwanou. On a papa a fille Guessin qui vient de là-bas. On ne peut pas te faire quelque chose. Papa a fille Guessin est avec nous. Alors, si je te fais, c'est comme si j'ai fait à papa a fille. Et je ne peux pas le faire. Donc, tu es avec moi. Il faut dire. En même temps, je profite. Il fait des box pour les fêtes. Des donc, paniers il, cadeaux. Les paniers cadeaux, tout ça, il faut faire ta pub en même temps. Je fais des box, paniers cadeaux, paniers fruits, tout. La, le nom de ma page, c'est La Maison à Soi. À Soi, A2SOA. Tu mets, voilà. Tu mets ton contact. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 47 13 18 90. Que ce soit box anniversaire, petit déjeuner. Tout, voilà. Il fait bien, c'est son côté papato qui est un peu activé, qui vient de désactiver. Un enfant qui dit ce soir sera désenvoûté. Oui, 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 ce soir on va le désenvoûter, mais il s'excuse, il n'a pas fait méchamment. C'est pas... Il n'a pas fait méchamment. Moi, je demande à mes étoiles, on n'a qu'à le pousser, son business va marcher. Comme ça, il va le faire papato. Là, c'est parce qu'il n'était pas occupé qu'il était papato. Voilà. S'il est occupé, Papatoya va quitter dans sa vie. Aidez-le à prospérer. Je vous en supplie. Je me mets en genoux. Ne lui en voulez pas. C'est la jeunesse. Il ne connaît pas. Pardonnez. Moi-même, je vous demande pardon. Aidons-le à devenir quelqu'un. Papatoya va quitter dans sa vie. Par ricochet, la décoratrice. Oh. Viens, on va faire ta publicité ici. Oh. Voici la décoratrice, ma soeur, qui est sa maman. Elle-même, elle est tellement dépassée, mais on a réglé. Elle l'a pardonné aussi. Donc, la décoratrice, pour toutes vos décorations, on va dire ton nom aussi, s'il te plaît, il faut t'éteindre. Pour toutes vos décorations, veuillez contacter Cyriel Wedding and Event Pro au 07 08 44 39 68. C'est elle qui a fait la déco de mariage de Gadoukou Lasta. Elle a fait beaucoup de personnalités. Elle est très forte. Vous pouvez la contacter pour toutes vos décos. C'est ma soeur. Aussi, s'il vous plaît, madame, nous avons besoin de vous. Attends, je te rappelle. Tout ce qui est habit traditionnel, robe de mariée, la dangereuse Tabitha Union. Donne le contact. Alors, je suis Tabitha Ouraga à la base. Et le nom de la structure, c'est Tabitha Union. Pour tous vos tenues traditionnelles, robes de mariée, les soins de corps, tout ce qui concerne les cérémonies, les trucs événementiels. Alors, le contact, c'est 2 fois le 07 08 42 12. Alors, je reprends, 2 fois 07 08 42 12. C'est vrai que je donne mon numéro accompagné d'un papato, mais bon, c'est pas grave. Quoi. Laissez mon fils tranquille. C'est dans la vie, il a voulu copier sur moi, mais il n'a pas bien copié. Par exemple, maman Nagbere, c'est moi. Mais lui, il a copié en allant vers du côté de son papa. Il va revenir du côté de sa maman. Le père même qui était déjà chassé. Et l'oncle. Mais
Donc, oui, je ne suis plus hein, son papa, c'est vrai, parce que son papa était très papato. Mais je l'ai gardé à côté de moi. Il n'a pas, il est resté encore dans l'éducation de son père. Le papa est sans fort. Le sang de papa est très fort. T'as pris le petit. Dans mes étoiles, c'est mon bébé, c'est pas de sa faute vraiment. Moi, je vous demande pardon à sa place. Et puis, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est important de pouvoir se rendre compte de son erreur, de s'excuser et de partir de plus belle. C'est ce qu'il faut retenir de l'émission. Que Dieu nous garde. Et puis, tu as un dernier mot? Oui. Juste dire merci à Tata Evie. Merci beaucoup. Vraiment. Je suis content et je demande beaucoup pardon. Pardon. Et je vais vous dire quelque chose. C'est devenu ma maman. Elle est trop gentille, trop adorable. Je viens de voir un côté que vraiment je n'avais jamais vu. On se cache derrière les réseaux sociaux. On ne fait que juger les gens, mais c'est faux. Il faut connaître les personnes avant de les juger. Vraiment, merci beaucoup. C'est pareil, tu as eu chaud, tu dis ça.